ce que je vais pouvoir faire les prochains mois. En fait, c'est tout con. C'est tout con. Puis en plus, je me teste. J'essaie de toujours regarder face caméra. J'ai un peu toujours un peu de mal à regarder face caméra. Parce que il y a l'écran de caméscope juste à côté que je regarde souvent. Objectif, donc voilà. Donc, bonjour à tous. Et petite confession plus ou moins confidentielle. En fait, pour des projets, j'ai un des projets plein la tête. Enfin, j'ai des idées plein la tête. D'ailleurs, je remercie ben, tous ceux qui trouvent que mes petits projets, ça l'est. Ça fait hyper plaisir. Comme vous avez remarqué, j'ai mis une vidéo qui n'est pas une vidéo ASMR, mais une vidéo à son normal, enfin, une vidéo de musique où je mets en avant un texte qui est bien adapté avec la musique de Michael Jackson. C'était pour me surpasser en fait, pour me prendre confiance, reprendre confiance en moi, la confiance en soi là, et l'estime de soi, comme disait Bura ASMR. D'ailleurs, je remercie Bura ASMR qui, apparemment, ma dernière vidéo, même si ce n'était pas de l'ASMR, apparemment, ça a beaucoup plu à certaines personnes, comme Bura ASMR. J'avais envie de vous présenter où je mets en avant mes textes, mes dessins, ma créativité et voilà, et tout ce qui s'ensuit, car voilà, oui, après j'aime bien expérimenter d'autres vidéos, de nouvelles vidéos. J'aime essayer autre chose, car je suis quelqu'un qui explore, qui essaye des choses plus ou moins, voilà, plus ou moins variées, plus ou moins bien. Ça peut, si ça fait du bien à beaucoup de personnes, ben c'est le principal, car c'est le but aussi de mes vidéos, c'est de rendre les gens heureux et puis partager avec vous ma passion pour le dessin, l'écriture et autres vidéos en et d'autres idées en expérimentation, etc. Car moi, voilà, j'aime beaucoup la musique. Je ne manie pas, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas musicien. Comme certains ont pu voir dans la vidéo, je ne chante pas, voilà, spécialement bien. Mais c'est ce qui compte, c'est les paroles. Les paroles qui veulent dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Et j'en suis assez fier de moi. Et je vois que je me suis surpassé. La preuve que dans la vie, il faut oser. Car si on n'ose pas dans la vie, ben on. Bah on n'avance pas, voilà. Même si que ça soit une réussite ou un échec, c'est pas grave parce que on apprend de ses erreurs, on apprend avec le temps, voilà, on avance quoi. Il faut avancer, il faut oser faire des choses ce qui vous plaît, voilà. Quitte à décevoir certaines personnes, mais que d'autres, ben, arriveront à trouver leur compte quoi. Ils aimeraient beaucoup, ils aimeraient. Mais d'autres aimeront beaucoup. En fait, ce que je fais et ce que vous faites, vous. Parce que le but aussi, c'est, voilà, de vous surpasser, d'avoir confiance en vous. Et voilà, et dans le but, et la vidéo que j'ai postée il y a, ben, il y a quelques jours, et ben, exprime-toi du texte, exprime-toi. Avec la musique de P. Diddy, de Michael Jackson, c'était bien pour vous trouver aussi pour vous de la motivation, vous remonter le moral,
expression. Voilà. Voilà, donc ça c'était le petit message par rapport à ma vidéo que j'ai présentée il y a quelques jours, que personne s'y attendait. Donc voilà. Et ça me fait hyper plaisir. Maintenant, j'expérimenterai aussi un peu plus l'ASMR, comme par exemple, je compte aller un projet ASMR en plein air, en pleine nature. Ça serait très intéressant d'exploiter ce concept ASMR en pleine nature. D'ailleurs, dédicace à Tom ASMR qui a fait une vidéo justement où il est en pleine nature, mais je crois qu'il y en a eu plein d'autres qui ont fait aussi ce genre d'ASMR en pleine nature. On entend le bruit du vent, un peu le bruit du vent, le bruit des oiseaux, le bruit de l'eau, des ruisseaux, etc. Ça serait un truc vachement, vachement intéressant. Bon là, en Normandie, là, je suis en Normandie, étant donné que j'habite en Normandie, donc je suis un pur viking, hein. C'est vrai qu'on en a un peu marre là maintenant de l'hiver. Là il flotte là. Là il flotte en Normandie. Vivement le printemps, vivement qu'il fasse de meilleurs temps, qu'il fasse plus beau que ça, qu'il fasse plus doux pour que je puisse expérimenter plus ce genre de vidéos ASMR en pleine nature. Voilà, donc ce sont mes projets ASMR pour les prochains mois. Autre projet ASMR, eh ben, ce sera aussi je vais essayer à l'anglais de parler anglais avec nouvelles vidéos ASMR. Je vais essayer de parler anglais. Conseil d'Elisa ASMR qui parle super bien anglais, et puis que moi je vais me tester, que moi je vais m'essayer à l'ASMR anglais pour voir ce que ça donne si. Voilà. Ça peut être très intéressant à expérimenter aussi. Donc voilà, donc projet ASMR pleine nature, projet ASMR en anglais, en parlant anglais, et puis peut-être ainsi de suite, peut-être d'autres langues pourraient m'intéresser par la suite, mais pour l'instant c'est français anglais qui m'intéresse. Voilà. Donc ça c'était les petites confessions sur mes projets, futurs projets. Puis il y aura évidemment par rapport à la vidéo normale, musique spéciale, texte, musique, il y en aura pareil, il y aura d'autres vidéos normales avec de la musique où je mets en avant mes textes. Évidemment mes textes pour la chanson, pour la poésie, pour les poèmes et tout. Voilà, où je vais soit l'improviser, soit le réciter comme si c'était un slam ou chanter, voilà. Cela dit, voilà, je répète, je ne suis pas chanteur, je suis juste là pour, voilà, parce que, voilà, j'aime bien expérimenter, essayer, aller au-delà de mes limites, voilà, comme tout le monde essaye de se dépasser, voilà. Et puis, c'est pour aussi pour se remettre en très grande confiance en soi. Voilà. Voilà, donc ça c'était la petite confession. Je vais avant de passer au bric-à-brac, je vais me servir un petit jus de fruits, enfin jus de pomme. Bio, pressade, je fais pas de dérivés de produits, hein, c'est gratuit. Voilà. Désolé, j'ai toujours tendance à partir, mes yeux à partir vers le côté, vers l'écran. Je sais plus fort que moi, j'ai besoin de savoir si ça continue à filmer ou pas, parce que parfois mon caméscope il me joue des mauvais tours. Il s'arrête de filmer sans faire de signal, sans me prévenir, et ça c'est assez embêtant. Donc c'est pour ça que je suis obligé de jeter toujours un coup d'œil sur le côté pour voir si ça enregistre toujours. Voilà. Enfin, bref, ce n'est pas le propos.
D'ailleurs, si vous voulez que j'essaye l'ASMR bouffe, n'hésitez pas à me le dire par les commentaires. Moi perso, les ASMR bouffe, c'est pas trop. Enfin, j'ai pas essayé, mais ça me tente pas plus que ça. Mais si ça vous ferait plaisir que je fasse un jour un ASMR bouffe, pourquoi pas? En tout cas, moi je préfère boire, entendre le son de la flotte plutôt que d'entendre le son où je suis en train de manger. Parce que le problème, c'est que quand moi je suis en train de manger, comme par exemple, comme ma famille me connaît bien, ou même mes proches, mes amis, ils savent comment je mange et je mange comme un cochon. Je fais énormément de bruit. Enfin, et c'est pas toujours agréable pour ceux qui. Même pour ceux qui aiment bien les ASMR et n'aiment pas du tout les ASMR bouffe. Donc voilà. Mais si ça peut intéresser quelqu'un pour que j'en fasse quand même une vidéo ASMR bouffe, ben je veux bien essayer, je veux bien tenter, mais bon, je promets rien du tout. Parce que faut mieux m'avoir en photo qu'à table, hein, franchement. Donc, qu'est-ce que je vais commencer? Donc, c'était le petit moment de dégustation en fait. Après, quelques petits sons, quelques petits bruits pour vous relaxer. Je vais faire un petit peu de beatbox aussi, un petit peu, tiens, un petit démo, pourquoi pas. Je sais pas comment. J'ai pas là. Comme ça, c'est. Faudrait que je le fasse à l'improviste comme ça, mais là, je vais faire un. Enfin, je veux dire, je vais faire un improviste comme ça, j'ai du mal. J'essaie de trouver des idées de beatbox parce que je sais à peu près faire quelques trucs, mais pour l'instant, je ne trouve pas. Faut que ça vienne tout seul en fait. Faut que ça vienne tout seul. Ah, je suis encore en train de regarder ailleurs, je suis dans mes pensées là, en train de réfléchir. Oh, mais ce sera pour une prochaine fois si j'y arrive cette fois. Ou alors juste sans la caméra, peut-être que ça, sans la caméra, ça, je serais peut-être plus à l'aise, peut-être que ça marcherait mieux. Bah ouais, c'est peut-être pour ça aussi. J'ai pas l'habitude de le faire face caméra, mais ça, de toute façon, il faut essayer à tout, pour se sentir le plus à l'aise possible. Bon. Tiens. C'est du pain ici sur la table. Allez, bon bah je vais mettre ça de côté. Bon, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Je sais pas du pain que je voulais vous montrer, mais plutôt des petits objets. Alors des trouvailles, enfin des derniers achats, donc en vide grenier ou des trouvailles, tout ça, que ce soit en vide grenier ou ailleurs. Ces derniers temps, oups, j'avais je vais décaler un peu ça. J'avais trouvé ça.
5. Puis ça doit, mais ça doit, bah, ça date pas d'hier. Par exemple, ça date de quelle année? Par exemple, parce que c'est l'année aussi qui est intéressant. Sens inversé, donc ça veut dire en gros que c'est un manga à la française. Voilà, c'est un manga à la française, je dirais. Voilà, donc ça c'est la BD du Rire Jaune. Et c'est lui qui passe, donc d'ailleurs le Rire Jaune s'appelle Kevin Tran. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, Tran, Kevin Tran, et dessin de Fanny Antini. Voilà. Aussi, faudrait aussi que je refasse des SMR lecture aussi pour lire quelques extraits de livres que livres BD que j'aime bien aussi lire. Mais en ce moment, je lis pas beaucoup, hein. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je lis beaucoup et des périodes où je lis moins, voire pas du tout. Voilà, donc quand je vais me remettre à lire, je referai des vidéos aussi plus tard ASMR de lecture. Voilà. Voilà, pour la petite info. Voilà, en gros, ça se présente. Bon, ça c'est l'arrière, c'est l'arrière de la BD, de la, voilà, du manga, pardon. J'ai tendance à confondre BD et manga, mais bon, voilà, c'est pour moi ça reste des dessins avant tout. Des bulles, avec des bulles.
Et j'avais acheté dans un vide-grenier. Alors ça, c'est pas là, c'est vraiment une BD, hein, cette fois. C'est les blagues belges. Or pareil, je l'ai pas encore lu, c'est les dernières trouvailles. Dans un vide-grenier. Vide-grenier dimanche dernier. Donc voilà. D'ailleurs, les vide-greniers, ça commence à s'ouvrir. Voilà, ça recommence petit à petit. Mais là, c'était juste parce qu'il pleuvait. C'est pleuvait des cornes, c'était. Le temps était pas favorable pour les vide-greniers en ce moment, surtout en Normandie. Donc c'est pour ça, quand je dis vivement le printemps, vivement le beau temps, c'est que j'ai hâte d'aller en plein air, faire de nouvelles vidéos ASMR ou autres vidéos, que ce soit balade ou autre. Enfin, on verra. Voilà. Enfin, vous verrez bien. C'est moi, je garde la surprise. Donc voilà. Donc ça, c'était pendant un vide-grenier. Un vieux magazine de BD, de présentation de BD. Et maintenant, on va passer aux jeux vidéo. Alors, faut que j'aille à côté, enfin, faut que j'aille les chercher d'ailleurs. Aussi, c'est pareil, les ASMR spécial jeux vidéo, je vais en faire aussi parce que j'ai pas, oui, dans l'ASMR, faut tout essayer. Faut que j'essaye de tout et de rien. Faut que je vous parle de cinéma, faut que je vous parle de. Enfin, faut que je vous montre DVD, CD, de musique, jeux vidéo, bref. Tout ça, ça va être, c'est pas, ça va être éparpillé. Donc, le mieux, ce serait d'aller thème par thème. Donc, mais bon, là, c'est juste les petits derniers achats, les petits bric-à-brac que j'ai pu avoir. Je vais charger ça tout de suite. Personne ne lit.
Du fond du cœur. Allez, allez.